Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Michel Beausoleil. Il me fait plaisir, au nom de toute l'équipe de CJSR, de vous souhaiter la bienvenue à cette émission spéciale portant sur les élections fédérales dans Portneuf-Jacques-Cartier en direct de la salle du Conseil de ville de Saint-Raymond. Au cours des 90 prochaines minutes, vous entendrez à tour de rôle quatre candidats sur les cinq qui figureront sur votre bulletin de vote au jour du scrutin le lundi 19 octobre et au vote par anticipation les 9, 10, 11 ou 12 octobre prochains. La candidate du Parti vert du Canada, Joanne Morin, n'était pas disponible pour participer à l'exercice. Par ordre alphabétique, vous entendrez David Gauvin du Parti libéral du Canada. Bonsoir, M. Gauvin. Joël Godin du Parti conservateur du Canada. Bonsoir, M. Godin. Raymond Harvey du Bloc québécois. Monsieur Harvey, bonsoir. Et Hélène Michaud, du nouveau Parti démocratique, le NPD, et députée sortante. Bonsoir, Mme Michaud. Les candidats devront répondre à cinq questions portant sur des enjeux en environnement, au développement commercial et industriel, touristique, socio-communautaire et en arts et culture. L'ordre de toutes les interventions a été déterminé au hasard avant l'émission, de même que l'emplacement des candidats. Toutes les interventions seront aussi chronométrées et une période de débat ou d'échange entre les candidats est possible après chaque bloc questions-réponses. Alors, nous vous souhaitons une bonne soirée. Débutons par la présentation des candidats. Alors, vous avez un maximum de 2 minutes pour vous présenter. Le hasard a déterminé que David Gauvin est le premier à parler, suivi de Joël Godin, Raymond Harvey et Hélène Michaud. Alors, M. Gauvin, vous avez 2 minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Vous savez, c'est un plaisir pour moi d'être ici à Saint-Raymond ce soir. C'est un privilège pour nous d'être ici devant vous pour solliciter votre confiance afin de représenter la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier. Je demeure à Deschambault. Notre bureau de circonscription est ici sur la rue Saint-Joseph. Et lors de sa dernière visite dans la circonscription, mon chef Justin Trudeau est tombé en amour avec Pont-Rouge. Donc, nous aimons beaucoup Portneuf-Jacques-Cartier. Et je suis très fier d'avoir eu l'engagement de mon chef de revenir avec ses kayaks et sa famille ici dans la circonscription avant longtemps. Je suis ici pour vous, je suis ici pour vous représenter. Permettez-moi néanmoins de vous parler brièvement de moi. Je suis ingénieur de formation, ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine du bâtiment durable. Je suis également lieutenant réserviste des Forces canadiennes sur la base de Valcartier depuis 12 ans. Je suis président sortant de l'Association de circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier et depuis quelques semaines maintenant, je suis père de famille. Pourquoi j'ai choisi de faire de la politique? Pour faire les choses autrement. Ça fait plus d'un an que je suis sur le terrain. Et je pense qu'on peut faire plus. Je pense qu'on peut faire plus. Moi, je suis ici pour représenter Portneuf-Jacques-Cartier. C'est dans Portneuf-Jacques-Cartier que j'habite, que je travaille et que j'ai choisi de fonder ma famille. Qu'avons-nous à offrir au Parti libéral? Qu'ai-je à offrir moi-même pour la circonscription Portneuf-Jacques-Cartier? Plus d'argent dans les poches de la classe moyenne. Question technique. On va vous demander d'ouvrir et de fermer votre micro pour éviter justement... Alors, vous avez un petit bouton. Votre micro, on s'excuse de ce petit contretemps. Alors, nous sommes rendus maintenant à M. Joël Godin. Donc, vous avez 2 minutes pour vous présenter. Alors, M. Beausoleil, merci de l'invitation. J'aimerais remercier la télévision communautaire de nous permettre, à nous, chers candidats, de s'adresser à la population de Portneuf-Jacques-Cartier pour qu'ils fassent le bon choix le 19 octobre prochain. Je suis un père de famille de 50 ans. Mes enfants ont grandi dans Portneuf-Jacques-Cartier. Ils étaient très impliqués au niveau du sport et au niveau culturel. Et évidemment, comme parent, j'ai été très impliqué.
Le rôle de député est d'accompagner, faire avancer les dossiers et surtout réaliser des projets, tant au niveau des individus, des organismes et des entreprises. Est-ce que je possède les atouts pour bien vous servir, faire avancer les dossiers et réaliser des projets dans Portneuf-Jacques-Cartier? À vous de décider. J'ai l'expérience, les compétences, les connaissances nécessaires pour vous servir. J'ai œuvré dans le secteur privé, j'ai œuvré dans le secteur public, j'ai été également impliqué au niveau professionnel en lien avec les cabinets ministériels, avec les hauts fonctionnaires. Je connais comment fonctionne le monde politique et administratif, et j'ai été propriétaire d'entreprise. De plus, par temps libre, très impliqué au niveau des organismes communautaires, dont Fondation canadienne Rêve d'enfants, Rotary, pour venir en aide à Cité Joie, qui est un organisme de notre circonscription qui vient en aide aux personnes handicapées. Le 19 octobre, choisissez la personne qui va réaliser des choses avec vous et pour vous. Merci. Merci, M. Godin. Maintenant, M. Raymond Harvey, vous avez 2 minutes pour vous présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Raymond Harvey, votre candidat du Bloc québécois dans Portneuf-Jacques-Cartier. Le plus jeune d'une famille de 6, je suis né au Nouveau-Brunswick de parents québécois. Côté formation, je détiens une attestation d'études collégiales en réseau informatique du Collège de Limoilou et un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Ayant travaillé comme administrateur de PME la majorité de ma carrière, je suis présentement directeur général d'une société de services en informatique. Je connais bien le territoire de Portneuf-Jacques-Cartier pour avoir habité 2 ans au lac Beauport et plus de 5 années maintenant à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Plusieurs enjeux me tiennent à cœur. La gestion de l'offre indispensable à nos producteurs laitiers, la cession du quai de Portneuf, le rejet de l'éoloduc Énergie Est, le dossier de l'eau contaminée à Shannon et le dossier de l'aéroport de Neuville. Si j'ai décidé de faire le saut en politique, c'est pour vous servir. Je veux aider mes concitoyens de Portneuf-Jacques-Cartier à retirer le maximum des services offerts par le gouvernement fédéral, parce qu'on paye des taxes et impôts à Ottawa à hauteur de plus de 45 milliards annuellement. Si j'ai choisi le Bloc québécois, c'est par conviction. C'est un parti progressiste qui a toujours eu à cœur les intérêts des Québécoises et des Québécois. Je vais contribuer à changer ce vieux modèle de fausse démocratie monarchique. Je nous souhaite une vraie démocratie directe avec un nouveau pays basé sur une constitution citoyenne, une République du Québec démocratique et indépendante. Merci. Merci, M. Harvey. Finalement, Mme Michaud, vous avez 2 minutes. En tant que députée de Portneuf-Jacques-Cartier. Pendant mon mandat, j'ai été très présente dans la communauté et je me suis toujours rendue disponible et accessible pour chacun et chacune d'entre vous. En 4 ans, j'ai parcouru les 4 coins de la circonscription pour aller à votre rencontre, que ce soit de Sainte-Brigitte à Saint-Uribe, de Pont-Rouge à Saint-Augustin-de-Desmaures. J'ai découvert des communautés vivantes et inspirantes dont je suis très fière d'avoir été la voix à Ottawa. Que ce soit dans le dossier de l'aérodrome de Neuville, de la protection de l'intégralité de la gestion de l'offre, du quai de Portneuf, de la contamination de la nappe phréatique à Shannon, pour ne nommer que ces dossiers-là, j'ai jamais hésité à me lever en chambre pour défendre les intérêts des citoyens de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier. Et j'ai reçu des centaines de citoyens à mon bureau au fil des années qu'on a aidé à résoudre des problèmes qui relevaient du gouvernement fédéral. Et pendant mes 4 années en tant que députée, j'ai réussi à gagner l'écoute, la confiance de mes collègues en étant élue à 2 reprises comme vice-présidente du caucus québécois. Et j'ai gagné la confiance de mon chef en étant nommée comme porte-parole adjointe de la Défense nationale au sein du cabinet fantôme du NPD, ce qui m'a amenée à me prononcer au nom du NPD sur plusieurs sujets d'intérêt national, que ce soit l'intervention canadienne en Irak ou encore le difficile dossier des agressions sexuelles au sein des forces canadiennes. Donc, après 4 ans dans l'opposition, j'ai acquis beaucoup d'expérience et je veux en faire bénéficier l'ensemble des citoyens de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier. Et si vous me confiez un 2e mandat, je m'engage à continuer à être près de vous
et à représenter avec vigueur les intérêts de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier à Ottawa. Le 19 octobre, on est devant un moment historique. On a la chance, enfin, de cesser l'alternance en des gouvernements libéraux et conservateurs et choisir le NPD. Merci. Merci, Mme Michaud. Merci. Première question. Vous avez un maximum de 3 minutes pour répondre à la question. Le thème est la protection de l'environnement dans Portneuf-Jacques-Cartier. Contexte. Le comté de Portneuf-Jacques-Cartier repose sur un vaste territoire composé de montagnes, de forêts, de terres agricoles et d'une multitude de lacs et de rivières, en plus des accès directs au fleuve Saint-Laurent. Plus de 80 % du territoire de Portneuf est forestier. Question. Comment le gouvernement fédéral peut aider les élus municipaux et les citoyens à protéger et à entretenir ces ressources naturelles inestimables, en plus de les soutenir dans leur quête d'un développement durable et harmonieux du territoire? L'ordre des réponses est le suivant. Monsieur Joël Godin, suivi d'Hélène Michaud, Raymond Harvey et David Gauvin. Alors, Monsieur Godin, vous avez 3 minutes pour répondre. Merci, Monsieur Beausoleil. La protection de l'environnement dans Portneuf-Jacques-Cartier. L'environnement est important pour moi, est important pour notre parti. Nous sommes un des seuls pays à avoir fait progresser notre PIB tout en diminuant les gaz à effet de serre. Nous avons mis en place un fonds de recherche pour le développement durable de 1,5 milliard. Dans cette portion, un programme Apogée a permis de recevoir des sommes d'argent pour la région de Québec. Il y a une enveloppe de 350 millions qui a été attribuée et l'Université Laval, qui est dans notre environnement, a bénéficié de 98 millions, soit près du tiers de cette enveloppe disponible, pour soutenir la recherche, entre autres, sur l'environnement, le climat et la santé des populations autochtones. C'est la plus grosse subvention de recherche de l'histoire de l'Université Laval, et ce n'est pas de la politique que je fais ce soir. Je cite M. Éric Beauce, qui est le vice-recteur à l'Université Laval. Maintenant, dans le comté, un dossier qui nous préoccupe. Vous, comme moi, l'oléoduc. Dans un monde idéal, pas de pétrole. Mais tous les gens qui sont ici ce soir, tous les gens qui sont à la maison, nous consommons du pétrole, autant directement qu'indirectement. Autant la pompe que tous les produits, tels ce stylo, a été fait avec du pétrole. Alors, c'est un incontournable pour l'instant. Dans un monde idéal, pas de pétrole, mais pour l'instant, nous devons transporter le pétrole. Pour prendre de bonnes décisions, il faut être sérieux. Il faut faire des analyses, il faut que des experts fassent des études, il faut attendre les conclusions pour choisir les meilleurs moyens pour transporter le pétrole. Moi, ce que je vous dis ce soir, c'est que je ne suis pas pour ou contre l'oléoduc à ce stade-ci. Je vais attendre les résultats des études et à ce moment-là, nous prendrons les décisions en conséquence. Le pétrole peut être transporté par des camions-citernes, par des trains, par des bateaux, par des oléoducs. Et s'il y a un autre moyen de transport qu'on peut inventer, on le fera. Alors, moi, ce que je vous dis ce soir, je m'engage à être le chien de garde pour protéger le transport de pétrole dans la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier, et je veux vous assurer que je vais être vigilant pour protéger notre milieu, notre nature, notre sécurité et nous. Merci, M. Godin. Mme Michaud, vous avez 3 minutes. L'environnement, c'est ma priorité, c'est une des priorités du NPD. Et une des premières choses qu'on veut faire sous un gouvernement néo-démocrate, c'est de renforcer les lois des protections des lacs et des rivières, parce qu'actuellement, il y en a très peu, voire pas du tout. Auparavant, nous avions une législation solide pour vraiment protéger nos lacs, nos rivières, la qualité de l'environnement, l'habitat des poissons. Malheureusement, actuellement, 97 % des lacs et des rivières du Canada ne sont plus protégés à cause de décisions qui ont été prises par le gouvernement que nous avons actuellement. Alors, le NPD, on s'engage à renverser la vapeur et à protéger correctement nos lacs et nos rivières. L'environnement est une partie importante de l'économie dans Portneuf-Jacques-Cartier. Nos industries en dépendent
Alors, il faut s'assurer que l'environnement va être disponible aussi pour qu'on puisse en profiter et faire croître notre économie pour encore de nombreuses générations. Et en discutant avec les élus municipaux, une façon importante qu'on doit mettre de l'avant pour aider à protéger nos lacs notamment, c'est de faciliter la possibilité des municipalités de légiférer pour le trafic maritime sur les lacs, sur les rivières. Actuellement, les municipalités ont seulement un pouvoir sur les berges et tout le trafic maritime est de compétence exclusive du fédéral, mais il existe des provinces, notamment au Nouveau-Brunswick, où des règlements particuliers ont été signés pour permettre aux municipalités d'avoir plus de pouvoir de légiférer. Bien entendu, il faut établir une approche collaborative et c'est ce à quoi s'engage le NPD. C'est une demande répétée qui vient des maires de l'ensemble de la circonscription et je veux agir sur ce dossier-là en respectant bien entendu les compétences de chacun. Et bien entendu, on ne peut pas passer à côté de l'oléoduc. J'espère que vous avez eu la chance d'entendre Tom Mulcair, à Tout le monde en parle dimanche. Il a été très clair. L'oléoduc NRJS pour le NPD, c'est non. Je suis entièrement d'accord avec M. Godin quand on dit que c'est important d'avoir des études, des chiffres, des données scientifiques sur lesquelles se baser pour prendre des décisions. Mais actuellement, l'Office national de l'énergie et les évaluations environnementales qui se font là sont totalement inadéquates, ne répondent pas à nos besoins. Alors, dans l'état actuel des choses, on n'est même pas en mesure de faire des évaluations environnementales correctes sur le projet. On ne peut pas aller de l'avant et on ne peut pas aller de l'avant avec d'autres projets de développement des ressources naturelles ailleurs au pays. Il faut voir plus loin que le Québec. Il y a aussi des développements de ressources naturelles qui se développent ailleurs. Et puis, il faut agir aussi, mettre un cadre d'évaluation environnementale stricte pour légiférer, réglementer ces projets-là et s'assurer que le tout se fait en respectant les principes du développement durable, qu'on assure la protection de l'environnement et que c'est au bénéfice de tous les Canadiens. Merci. Merci, Mme Michaud. Monsieur Harvey, vous avez 3 minutes. Merci. La menace environnementale la plus importante pour notre région, c'est l'oléoduc, que les pétrolières veulent nous installer pour leur seul profit. Cet oléoduc NRJS serpenterait à travers tout le sud du comté de Portneuf, passant par la plus importante source d'eau potable de la ville de Portneuf et traversant le fleuve Saint-Laurent à Saint-Augustin-de-Desmaures. Ce pétrole est entièrement destiné à l'exportation. Aucune goutte ne sera consommée ni raffinée au Québec. Le seul pétrole qu'on aura de ce pipeline sera celui des fuites. Parce qu'il y aura des fuites, c'est certain et vous le savez. Contrairement au gaz qui s'échappe en montant, le pétrole descend, s'infiltre et colle partout, dans nos terres, nos nappes phréatiques, nos cours d'eau. Ce tuyau traversera plus de 250 cours d'eau au Québec et tous se jettent dans le fleuve Saint-Laurent, notre or bleu à nous. On gagnerait quoi en retour? Rien, pas un sou, juste de la pollution aux frais du contribuable, comme d'habitude. Je cite le chef du Bloc québécois, M. Jules Disset. L'avenir du Québec passe par l'énergie propre. Alors que les partis fédéraux veulent nous imposer un modèle économique basé sur le pétrole des sables bitumineux, le Bloc québécois veut offrir un programme de rabais pour l'achat de voitures électriques et hybrides. Fin de la citation. Autre souci environnemental, et il est de taille, Stoneham, Tewksbury ainsi que le lac de Large ont une problématique de gestion des eaux usées. Parce que ces eaux usées, après traitement, finissent dans le lac Saint-Charles, qui est l'approvisionnement en eau potable de la ville de Québec. Ces deux municipalités doivent investir pour répondre à de nouvelles normes très exigeantes, mais la somme à investir excède largement leurs moyens financiers. Le Bloc québécois propose la mise en place d'un programme d'infrastructure pour les projets environnementaux, comme celui du traitement des eaux usées, afin de permettre à toutes les municipalités de mieux protéger notre environnement. Pour ce qui est de cet autre cas qui traîne en longueur, je parle de la contamination au TCE des sous-sols de Shannon. Au-delà de la tragédie humaine, il y a ce TCE qui, depuis des décennies, a envahi tout le sous-sol sud de Shannon et qui, inexorablement, se dirige vers la rivière Jean-Cartier. Tout un dégât. Le fédéral s'était engagé à nettoyer puisqu'il est à l'origine de la contamination, mais il n'a encore rien fait. Il faut que ça bouge maintenant. Alors, voilà quelques-unes de mes préoccupations environnementales. Merci. Merci, M. Harvey. Alors, M. David Gauvin, vous avez 3 minutes. Merci, M. Beausoleil.
Quelle belle question. Je pense que la plupart des gens qui demeurent et qui travaillent dans Portneuf-Jacques-Cartier réalisent l'importance de l'environnement dans leur vie de tous les jours. En ce qui me concerne, ça fait 10 ans que je travaille comme ingénieur dans le domaine du bâtiment durable, donc à tous les jours, je pense à l'environnement. C'est la même chose pour ma conjointe. Nous sommes propriétaires d'un véhicule électrique, entre autres. Et dans nos gestes de tous les jours, on essaie de diminuer notre dépendance aux hydrocarbures et de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'avant de prendre des mesures concrètes, il faut donner l'exemple. Ça tombe bien, des mesures concrètes au Parti libéral, on en a beaucoup en ce qui concerne l'environnement, et la plupart d'entre elles vont aider les municipalités à mieux soigner leur environnement. Entre autres, le Parti libéral a un plan d'infrastructure de 125 milliards sur 10 ans. C'est 2 fois plus que n'importe quel programme d'infrastructure précédent et évidemment le plus gros programme d'infrastructure de l'histoire du pays. Sur ce 125 milliards de dollars, il y a 20 milliards dédiés aux infrastructures vertes. Qu'est-ce que ça veut dire, les infrastructures vertes? Ça peut vouloir dire, comme l'a dit M. Harvey, l'électrification des transports, auxquels je crois. Ça veut également dire, concrètement ici dans Portneuf-Jacques-Cartier, le financement de raccordement des réseaux d'eau potable, le financement de raccordement des réseaux d'égouts pluviaux, et également le financement de raccordement des réseaux d'égouts sanitaires. En ce qui a trait à l'oléoduc, maintenant, mon chef, Justin Trudeau, a été très clair lors de ses dernières visites à Québec. Il a dit que dans ce dossier-là, l'acceptabilité sociale n'était pas acquise, et c'est un must. Les gouvernements donnent les permis, mais les communautés donnent les permissions. Et moi, mon rôle comme député de Portneuf-Jacques-Cartier, ça va être de m'assurer que les communautés sont entendues pour ce projet-là. Pour revenir au sujet des municipalités, peu de gens savent que les municipalités doivent entretenir 60 % des infrastructures avec 8 % des revenus fiscaux. C'est insuffisant. C'est pour ça qu'on veut investir, oui, dans les infrastructures, mais également dans un plan environnemental. Notre plan environnemental va investir 300 millions, entre autres, dans des technologies vertes et des emplois verts. Nous avons un plan environnemental de 20 pages. J'invite tout le monde à aller le consulter. Et je suis convaincu que le Parti libéral a le meilleur plan pour l'environnement et pour l'environnement ici, dans Portneuf-Jacques-Cartier. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Oui, M. Harvey. L'environnement a trop souvent été sacrifié. Combien de fois aux intérêts économiques des grosses sociétés? Combien de fois aux solutions rapides à court terme? Combien de fois, hélas, négligé tout bêtement? Maintenant que la planète se révolte avec les changements climatiques, le gouvernement du Canada va-t-il enfin se réveiller? Qui va lui pousser dans le dos? Qui ne sera pas influencé par l'argent des puissants de ce monde? Qui va se tenir debout pour notre environnement? Un seul parti a toujours dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. C'est le Bloc québécois. M. Godin. Je vous dirais, M. Harvey, que vous reprenez notre slogan. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Maintenant, M. Harvey, il faut se poser la question. Je suis d'accord avec vous de travailler pour protéger notre planète. Mais ce soir, vous êtes venu comment ici? En bicycle. vous êtes venu avec M. Duceppe et M. Pelado? Mais il faut se poser la question. Effectivement, dans un monde idéal, pas de pétrole. Mais demain matin, on stoppe tout approvisionnement de pétrole. Il arrive quoi dans notre quotidien? La solution magique, la pensée magique, il faut être réaliste. Je vous pose la question. Il n'est pas pour nous, l'oléoduc. Il est seulement pour l'exportation. Aucune goutte ne sera raffinée ni consommée ici. Mais ça... On prend le risque. Monsieur Gauvin. Monsieur Godin, moi, je vais vous répondre. Moi, je suis venu ici dans un véhicule qui est carboneutre et j'en suis fier. En ce qui a trait à l'oléoduc, je comprends les craintes de M. Harvey. Je peux vous dire que, comme résident de Deschambault, un oléoduc qui passerait entre la prise d'eau de la municipalité et là où j'élève ma fille, ben moi, ça me fait craindre. Je peux également vous dire que je suis ingénieur métallurgiste de formation, donc les gros tuyaux en métal, ça donne que je connais ça. Et moi, je serai en mesure d'être le chien de garde des gens de Portneuf dans ce dossier-là. On se partagera notre rôle, M. Gauvin. Madame Michaud. Alors, je pense que j'ai
J'ai été très claire sur l'intention du NPD de remettre en place des processus d'évaluation environnementale crédibles et efficaces pour évaluer tous les projets de développement des ressources naturelles, incluant le projet Énergies, qui aura à repasser à travers un processus et évaluer en fonction des critères que le NPD mettra en place. Mais au-delà de ça, la question qu'on se pose ce soir, c'est à court terme pour le transport du pétrole. Il faut diversifier, il faut encourager le développement des énergies vertes et le gouvernement fédéral a un rôle de leadership à jouer là-dessus. Et c'est ce que le NPD veut faire, encourager ce développement des énergies vertes et se délier de cette dépendance au pétrole. M. Godin, rapidement. Madame Michaud, quand on met 1 milliard en recherche sur l'environnement, sur le climat, je pense que votre objectif est le même que le nôtre au niveau de l'environnement. Il faut trouver des solutions, des alternatives. Maintenant, M. Gauvin, j'aimerais vous poser la question. Vous ne voulez pas avoir d'oléoduc dans votre cour à côté de la prise d'eau. Est-ce que vous avez le syndrome de pas dans ma cour? Non, monsieur. Bien, vous ne le voulez pas à côté de chez vous, mais s'il y a à passer à quelque part, il y a un autre voisin qui va l'avoir dans sa cour. On vit en communauté. Alors, si c'est ça la solution de transporter le pétrole par oléoduc, bien, à un moment donné, il faut qu'il passe à quelque part. Bien, moi, ce que je comprends de votre question, M. Godin, c'est que vous faites fi de l'acceptabilité sociale. Puis moi, je trouve que c'est inacceptable. Les gens, présentement, n'ont pas donné leur appui au projet. Les gens sont inquiets. Et moi, je vais les écouter, ces gens-là. Être le chien de garde, défendre ces gens-là, c'est défendre les résidents de Portneuf-Jacques-Cartier. C'est pas défendre les pétrolières, M. Godin. M. Gauvin, être un chien de garde, c'est pas prendre nos intérêts personnels au lieu de celle de la communauté. Il faut être responsable, M. Gauvin, là. OK. Dernière intervention, Mme Michaud. J'aimerais beaucoup croire dans la bonne foi de M. Godin dans sa parole, mais quand on regarde conservateurs, à cause des conservateurs, on est le seul pays qui s'est retiré du protocole de Kyoto. C'est difficile de les croire quand ils viennent nous dire « ben oui, on est là pour protéger l'environnement » avec toutes les subventions qu'ils donnent aux pétrolières ou aussi les cadeaux fiscaux qui sont donnés. C'est difficile de croire qu'il y a vraiment une volonté de leadership de diversifier l'économie et il faut vraiment mettre en place des processus d'évaluation environnementale correct, efficace, ce qu'on n'a plus actuellement, grâce aux conservateurs, malheureusement. Merci. Alors, on passe à la deuxième question. Vous avez encore 3 minutes pour répondre à cette question. Le thème « Développement commercial et industriel dans Portneuf-Jacques-Cartier ». Contexte. Dans le contexte où les secteurs de la métallurgie, de l'agriculture, de la foresterie ou du granit et même du ciment sont, entre autres, des moteurs clés au développement économique de notre territoire, et que plusieurs industriels éprouvent de la difficulté à embaucher du personnel compétent et que le marché américain particulièrement est essentiel pour leur expansion. Question, comment le gouvernement fédéral peut contribuer à faire face à cette pénurie de main-d'œuvre spécialisée et aussi à faciliter les exportations? L'ordre de réponse est le suivant. David Gauvin, Joël Godin, Raymond Harvey et Hélène Michaud. Alors, M. Gauvin, vous avez 3 minutes pour répondre. Merci, M. Beausoleil. Les problèmes que vous énumérez sont également des opportunités en ce qui nous concerne au Parti libéral. J'ai fait l'annonce la semaine dernière de notre plan d'innovation technologique. Ce plan-là, sur 3 ans, va investir quasiment 1 milliard $ dans l'innovation technologique. Puis ce plan-là va aider, entre autres, les PME, parce que les PME compte pour plus de 50 % des emplois dans la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier, mais va également aider les grandes entreprises, les multinationales. Donc, c'est sur ces 900 millions de dollars-là qu'on va investir sur 3 ans, donc 300 millions par année, il va avoir à chaque année 200 millions investis dans les incubateurs technologiques et les centres de recherche. C'est ça qui peut faire en sorte que les entreprises deviennent plus performantes, plus productives, puis à ce moment-là, sont en mesure d'exporter leurs produits. Bien évidemment, dans ce 200 millions-là, il y a également de l'argent qui est dédié à des études pour faciliter l'exportation. Le 100 millions restant, lui, est dédié exclusivement aux PME. Les PME qui produisent des nouveaux produits, qui font de la recherche et du développement et qui ensuite cherchent à conquérir des nouveaux marchés avec ces produits-là. En ce qui concerne les employés, c'est un sujet dont j'ai discuté lors d'une rencontre avec le CLD de Portneuf. On sait que le programme des travailleurs étrangers temporaires a été modifié récemment, puis ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup d'employeurs dans la région de Portneuf-Jacques-Cartier qui recherchent des employés spécialisés et qui n'arrivent pas à faire rentrer la main-d'œuvre qui est pourtant disponible sur d'autres marchés.
Présentement, ce qu'on a au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est une approche pan-canadienne qui ne tient pas compte des réalités régionales des différents endroits, comme ici, par exemple, dans Portneuf-Jacques-Cartier. Au niveau des programmes, du programme de travailleurs étrangers temporaires, je me permettrais aussi de mentionner l'aide inestimable qui est apportée par les travailleurs étrangers dans le domaine agricole. Lorsque j'ai fait mon annonce sur la gestion de l'offre, j'ai été dans une ferme, puis les gens là-bas m'ont dit que sans les travailleurs étrangers, la ferme ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Donc, c'est important que le programme de travailleurs étrangers temporaires soit revu et corrigé, de façon à faciliter l'arrivée de nouveaux travailleurs spécialisés, de façon également à faciliter l'entrée de travailleurs étrangers temporaires dans le domaine agricole. Et je persiste et je signe, si on veut favoriser l'innovation technologique, il faut investir, et seul le Parti libéral du Canada est prêt à investir presque 1 milliard de dollars sur 3 ans pour aider nos entreprises et aider nos PME ici dans Portneuf-Jacques-Cartier. Merci, M. Gauvin. M. Godin, vous avez 3 minutes. Merci, M. Beausoleil. Oups. Le développement commercial et industriel dans Portneuf-Jacques-Cartier. Notre gouvernement a fait de notre pays un pays solide économiquement parlant. L'entente transpacifique conclue hier avec 12 pays représente 40 % de la population mondiale, un marché inestimable pour nos entreprises de Portneuf-Jacques-Cartier. Le premier pays du G7 a passé à travers la récession de 2008. Qui était le premier ministre? L'économiste Stephen Harper. Nous avons toujours baissé le fardeau fiscal des citoyens et des entreprises. Depuis 2006, vous payez moins d'impôts, moins de taxes, et c'est vous qui avez plus d'argent dans vos poches et vous décidez quoi faire avec. Dans la circonscription, je ne comprends pas le NPD qui dit que le commerce et l'industrie ne vont pas bien et que toutes les entreprises que j'ai visitées, elles, me disent qu'ils sont en progression. Et c'est là que m'amène la situation des entreprises qui me disent qu'il y a un problème parce que les entreprises vont tellement bien qu'ils ont un problème de main-d'œuvre, de formation, de main-d'œuvre spécialisée. Ils cherchent des employés pour être plus productifs. Ça doit être que l'économie va bien. Notre premier ministre a pris l'engagement de rendre le processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers des nouveaux Canadiens et des Canadiens qui ont fait des études à l'étranger plus rapide, plus juste et plus abordable. De plus, nous travaillerons avec le provincial pour développer un programme de formation de la main-d'œuvre, évidemment en respectant les juridictions provinciales. Allez voir dans nos parcs industriels, ça construit, ça développe, ça agrandit. Alors, l'économie dans Portneuf-Jacques-Cartier, ça va bien, il faut continuer, et avec l'entente transpacifique d'hier, d'autres marchés s'offrent à nous. Je serai là pour accompagner le milieu, je vais travailler avec le milieu pour faire en sorte d'obtenir des infrastructures nécessaires pour continuer le développement de nos entreprises, de nos parcs industriels et de prospérer. C'est pas mal de faire des profits, parce que l'avantage de faire des profits, ça permet aux entreprises de traiter nos employés de façon mieux au niveau des conditions salariales, ça permet aux entreprises de faire de la recherche et de développement et de conquérir d'autres marchés. Alors, nous, c'est notre façon de voir les choses au niveau économique, et je pense que la recette du passé est garant de l'avenir. Merci, M. Godin. M. Harvey, vous avez 3 minutes. Le développement commercial et industriel dans Portneuf-Jacques-Cartier doit être durable. Il doit s'harmoniser avec notre développement social comme culturel. Je vois cinq axes à notre développement commercial et industriel. Premier axe, pour développer l'entreprise manufacturière, l'accès aux programmes fédéraux en recherche et développement, en accroissement de la productivité, en création d'emplois et en recherche de nouveaux marchés. Deuxième axe, les PME portneuvoises doivent avoir accès à du financement lorsqu'elles en ont besoin, voire à du capital de risque. Troisième axe, le volet touristique mérite la mise en valeur de son plein potentiel. En effet, la demande touristique est en pleine croissance, partout dans le monde. Notre comté doit développer son offre touristique. Quatrième axe, le soutien à l'agriculture, en production et en transformation. À défaut du maintien intégral du système de gestion de l'offre, il faut une compensation adéquate pour nos agriculteurs.
Il faut aussi une pleine compensation à notre industrie du fromage, méchamment poignardée par les trois partis fédéralistes qui ont endossé l'accord avec l'Union européenne. Cinquième axe, un apport financier majeur à l'industrie forestière, particulièrement en transformation. Le Québec a autant de travailleurs dans l'industrie forestière que l'Ontario dans l'industrie de l'automobile, laquelle a été soutenue par le fédéral avec nos impôts à la hauteur de 10 milliards de dollars, et c'est sans doute pas fini. Notre foresterie n'a reçu à date que quelques maigres dizaines de millions. Le Bloc québécois préconise une charte du bois pour développer de nouveaux marchés dans la construction avec notre bois, une ressource renouvelable. J'ajoute qu'il faut aussi encourager et appuyer les initiatives culturelles, industrielles et agricoles. De tels projets doivent devenir des investissements pour notre économie de demain. Je précise que l'accès aux programmes fédéraux est non partisan. Les dossiers sont traités au mérite par les fonctionnaires. Mon rôle, en tant que votre député, sera de servir de trait d'union entre le besoin d'une organisation et le programme approprié, de l'appuyer dans sa démarche et, lorsque possible, l'aider à trouver des appuis supplémentaires. Merci. Merci, M. Harvey. Madame Michaud, vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en tant qu'élu fédéral pour aider nos entreprises à innover, à investir dans la recherche et développement, mais aussi à recruter du personnel qualifié, de la main-d'œuvre qualifiée. Alors, le NPD, tout d'abord, on a proposé de mettre en place un crédit d'impôt à l'innovation de 40 millions à la grandeur du pays. Donc, pour encourager nos entreprises à investir dans le développement technique, le développement de matériel qui va leur permettre un développement à long terme. Une autre chose pour combler des besoins en main-d'œuvre qualifiée, on propose aussi de créer 40 000 débouchés pour les jeunes. Alors, ces 40 000 débouchés-là se créeraient notamment avec des partenariats avec l'industrie, des organismes sans but lucratif non plus. Donc, pour permettre à 40 000 jeunes à travers le pays d'obtenir soit un emploi, un stage rémunéré ou un poste en alternance travail-études. Donc, le tout, comme je vous disais, en partenariat avec l'industrie. Alors, c'est une bonne façon de former le personnel, d'obtenir une main-d'œuvre qualifiée, mais aussi d'assurer la rétention de cette main-d'œuvre-là qui sera formée au sein des différentes entreprises, différents organismes à but non lucratif ou les autres organes avec lesquels on pourrait établir des partenariats. Et tout récemment, donc si je ne m'abuse, le 25 septembre dernier, Tom Mulcair était à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier avec moi pour faire une annonce d'un investissement de 105 millions sur 3 ans pour l'industrie forestière. Alors, je pense que M. Harvey, ça pourrait répondre à une partie de ses préoccupations. Et 40 millions dans ces 105 millions-là seraient pour de la recherche et développement. Alors, on a déjà des beaux projets qui utilisent la biomasse, alors que ce soit à Saint-Gilbert ou encore à Saint-Ubalde. Et puis, ces projets-là veulent prendre l'expansion. Les municipalités ont des projets. Alors, des investissements de ce type-là dans notre industrie forestière pourraient certainement venir en aide à des municipalités dans l'ouest de Portneuf, un secteur dévitalisé qui en ont grandement besoin. Et il y a des projets de parcs industriels dans la Jacques-Cartier aussi qui se développent actuellement, orientés autour de la biomasse de l'industrie forestière. Alors, de tels investissements seraient certainement très intéressants pour l'ensemble de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier. Et si je peux me permettre de revenir rapidement sur la signature en principe du partenariat transpacifique, au NPD, pour nous, cet accord-ci, actuellement, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable parce que les conservateurs ont renié une promesse qu'ils avaient faite aux gens qui était de protéger le système de la gestion de l'offre. Pour nous, au NPD, c'est essentiel. Et au-delà de la possibilité du Bloc de s'opposer, un gouvernement néo-démocrate ne présenterait pas l'accord à un vote à la Chambre des communes, ce qui le rendrait caduc, qui ne pourrait pas être appliqué ici. Alors, quand on signe des ententes de libre-échange, il faut s'assurer du respect du principe de réciprocité. Il faut s'assurer qu'on obtient des avantages, autant de concessions qu'on fait, et ce n'est pas le cas ici. Merci. Monsieur Gauvin. Je suis ravi qu'on ait parlé de la gestion de l'offre et des agriculteurs dans le cadre du développement économique, parce que les agriculteurs sont également des entrepreneurs. Ici, dans Portneuf-Jacques-Cartier, il y a 50% de la superficie qui est utilisée par les agriculteurs. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe avec la gestion de l'offre, je pense que de façon constructive, ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que les compensations soient correctes,
s'assurer que les normes soient réciproques d'un pays à un autre et surtout, 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 s'attaquer immédiatement au problème de l'importation de protéines laitières. Puis entre l'annonce de l'entente de principe hier et aujourd'hui, nous, au Parti libéral, on a rencontré l'UPA dans la région de Portneuf, on leur a demandé de quoi ils avaient besoin et c'est ça qu'on a eu comme réponse. Concernant la gestion de l'offre, écoutez, le Parti conservateur a protégé la gestion de l'offre. Il n'y a aucun agriculteur qui va avoir une perte tant au niveau de ses quotas que de la valeur de ses produits. Ils ne perdront aucun sou. Il y a 4,3 milliards sur la table. Moi aussi, M. Gauvin, j'ai parlé au président de l'UPA de Portneuf. Aujourd'hui, je n'ai pas attendu, moi ça ne m'a pas pris 4 ans avant de parler au président de l'UPA, j'ai parlé aujourd'hui, 24 heures après l'entente. Et effectivement, ils sont préoccupés sur les textes de loi, sur la réciprocité, sur les produits, le 3,25% qu'on a ouvert hier dans l'entente. Ils sont préoccupés, mais ils sont aussi conscients qu'on ouvre des marchés et il faut être vigilant pour protéger l'intérêt des agriculteurs. Et c'est ce qu'on va faire. On a toujours dit ce qu'on allait faire et on a fait ce qu'on a dit. Merci. Oui, Mme Michaud. Et on termine avec M. Harvey après. Je trouve ça un peu naïf de croire que des promesses de compensation, parce qu'il n'y a rien de chiffré encore autant dans le cas de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne que dans le cas du partenariat transpacifique. Il n'y a aucune compensation chiffrée qui a été présentée à aucun producteur, artisan du fromage, quoi que ce soit. M. Bernier est encore aujourd'hui incapable de chiffrer ces compensations-là. C'est faux, Mme Michaud. Il y a déjà 5 fermes familiales qui ont fermé dans Portneuf à cause des conséquences anticipées de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Il ne faut pas croire qu'il n'y aura pas d'effet, même si les accords ne sont pas ratifiés. Il y en a actuellement. Alors, et la beauté de la gestion de l'offre, ce qu'on oublie, c'est que ça ne dépend pas de subventions. Là, on va offrir des compensations. Les citoyens, les contribuables vont être obligés de payer pour quelque chose qu'ils ne payaient pas auparavant. Merci, Mme Michaud. Alors, on termine avec M. Harvey. Avant de penser développer, il faut au moins sauver ce qu'on a. Le traité Pearl Harbor va priver nos producteurs et transformateurs laitiers de centaines de millions de dollars. En sacrifiant même partiellement le système de gestion de l'offre, c'est dans les poches des contribuables que le gouvernement Harper va venir chercher vos impôts, des impôts pour compenser nos agriculteurs et nos transformateurs. Le Québec doit à nouveau se faire respecter dans ce Canada. Le Bloc québécois entend protéger, bec les ongles, les intérêts de nos producteurs et transformateurs laitiers, dont notre industrie du fromage. Merci. Alors, nous sommes maintenant rendus à la troisième question. Vous avez encore un maximum de 3 minutes pour répondre. Le thème est le développement socio-communautaire dans Portneuf-Jacques-Cartier. Contexte. Dans le contexte où dans Portneuf, les perspectives démographiques indiquent que la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus doublera entre 2006 et 2031, passant de 16 à 32 % et l'âge médian passera de 44 à 51 ans. La MRC de Portneuf comprendra donc une proportion plus élevée d'aînés. Question, comment le gouvernement fédéral peut aider les aînés à demeurer et participer activement à la vie communautaire aussi longtemps qu'ils le désirent? L'ordre de réponse est le suivant. Raymond Harvey, Joël Godin, Hélène Michaud et David Gauvin. Monsieur Harvey, merci, vous avez trouvé. D'entrée de jeu, je souligne que le socio-communautaire relève du Québec, pas du fédéral. Ceci dit, ce qui m'apparaît le plus important, c'est la concertation entre les divers acteurs du socio-communautaire. À la base, il y a toujours les nécessaires et magnifiques bénévoles qui animent les organismes locaux et régionaux. À ces bénévoles, je dis merci pour votre générosité. Nos organismes socio-communautaires ont besoin d'un soutien financier récurrent. Ils œuvrent dans des domaines divers, tels que l'ardoise, en alphabétisation et cuisine collective, l'arc-en-ciel, en santé mentale, la Corporation du transport régional de Portneuf et celui de Jacques-Cartier en transport adapté et collectif. Le cerf-volant pour les jeunes enfants, le halo en entraide.
Et pensons aux bibliothèques municipales, aux loisirs, aux mouvements scouts, aux âges d'or et à tant d'autres. Ces organismes sont plus ou moins subventionnés, mais les besoins sont grands. Il est important que votre député se concerte avec tous les acteurs pour optimiser l'appui qu'il peut leur apporter. Alors, quelles sont ces possibilités? Je ne vous apprends rien, la circonscription possède une forte population d'aînés. Or, grâce à l'argent de nos taxes et de nos impôts, le fédéral dispose de divers programmes de financement de projets pour les aînés. Par exemple, sont admissibles les projets communautaires permettant aux aînés de partager leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences. Et il y a cet autre programme destiné aux infrastructures communautaires. Portneuf-Jacques-Cartier doit profiter de ce programme pour améliorer son offre tant aux aînés qu'aux jeunes familles, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes familles qui s'installent chez nous. Il y a aussi le transport collectif, un actif important pour la qualité de vie des gens en milieu rural. Je lève mon chapeau à la Société d'aide au développement de la collectivité de Portneuf, la SADC, qui en demeure un partenaire important. Mais ne serait-il pas souhaitable que le fédéral, d'un océan à l'autre, consente une aide financière aux provinces pour soutenir le transport collectif? Parce qu'en plus du service direct aux citoyens, le transport collectif est aussi une mesure environnementale par son apport significatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il me semble que c'est là une bonne idée. Mais encore, il faut aller chercher notre juste part dans ces programmes. Heureusement, avec le Bloc québécois, on a tout à gagner. Merci. Merci, M. Hervé. M. Godin, vous avez 3 minutes. Le développement socio-communautaire dans Portneuf-Jacques-Cartier. Le socio-communautaire est un secteur très important pour chacune de nos communautés. C'est du bonheur que l'on multiplie. C'est un plaisir de donner et il faut entretenir ce sentiment. J'ai été très impliqué moi-même dans la Fondation canadienne Rêve d'enfants, comme je le mentionnais tout à l'heure, Fondation Sourdine, Rotary. J'ai fait une levée de fonds de plus de 125 000 $ que j'ai offert à Cité Joie, un centre qui vient en aide aux personnes handicapées de notre circonscription. Quelle joie de voir un enfant réaliser son rêve et de voir sa famille émue vivre des moments heureux. Des centaines d'organismes dans le comté qui viennent en aide à nos précieux aînés, à nos jeunes et aux gens dans le besoin. Nous nous devons de soutenir les différents groupes de la circonscription, tels les fermières, les chevaliers de colons, la popote mobile, le transport aux services médicaux, les comités d'aide tels la Saint-Vincent-de-Paul. De plus, je m'engage ce soir à déposer à la Chambre des communes un projet de loi pour avoir un soutien financier pour inciter les organismes et les membres de ces organismes d'être créatifs et d'innover pour offrir encore de meilleurs services à notre population. C'est un engagement. Les mieux placés sont évidemment les membres. Alors, nous avons une belle ressource. Il faut les soutenir et leur donner des moyens pour innover. De plus, saviez-vous que notre parti a pris un engagement pour soutenir les membres des différents groupes philanthropiques? Nous allons donner un crédit d'impôt pour les cotisations annuelles de ces membres qui travaillent très fort pour soutenir leur organisme. Ça, on n'en a pas entendu parler dans les médias nationaux. Il faut soutenir nos organismes communautaires, car ils contribuent à améliorer notre qualité de vie et nous permettent d'être actifs. Je vais travailler avec les organismes du milieu. Je suis habitué d'aider les autres. C'est dans mon ADN. Merci. Madame Michaud. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question qui a été posée, qui était comment les élus fédéraux peuvent faire pour aider nos aînés à rester plus longtemps chez eux, avoir des soins à domicile et participer à la vie de la communauté, il y a plusieurs choses qu'on peut faire et le NPD, on a déjà mis plusieurs mesures de l'avant. Alors, on s'est engagé, première chose, à ramener l'âge de la retraite de 67 à 65 ans.
C'est démontré avec des chiffres, avec des données, que le système est encore viable pour au moins 30 ans. Et d'ici là, on est capable d'arriver à des solutions pour financer adéquatement le système. On n'a pas besoin de faire subir ça à nos aînés. Et en fait, c'est une responsabilité de plus qu'on va pelleter dans la cour des provinces, si vous me passez l'expression. Alors, il y a cette mesure-là qui m'est très chère. On s'est aussi engagé à sortir 200 000 aînés de la pauvreté en bonifiant de 400 millions le supplément de revenus garanti. Alors, avec des aînés qui ont plus de revenus, ils peuvent s'assurer une meilleure qualité de vie. Et ça, c'est un des déterminants importants de la santé. Alors, on veut agir sur la pauvreté des aînés. Une chose importante aussi, je viens de parler de santé, et ça, c'est un problème qu'on voit en région. Ça nous touche tous, mais particulièrement nos aînés, l'accès aux soins. Une des premières choses qu'on a à faire, et le NPD s'est engagé à le faire, c'est de rétablir les transferts fédéraux pour la santé qui ont été coupés sous les conservateurs de 36 milliards de dollars. Alors nous, on veut rétablir ces transferts fédéraux-là en santé, s'assurer qu'on maintienne notre système de santé universel, gratuit, accessible pour tous. On veut aussi s'assurer d'améliorer l'accès aux soins à domicile avec des investissements supplémentaires de 1,3 milliard, bien entendu en respectant les compétences provinciales. Alors, si le Québec souhaite se retirer d'une telle mesure, il aura tout le loisir de le faire parce qu'on est bien conscient, la santé, c'est une compétence provinciale. Quelque chose que moi, j'ai fait régulièrement en tant que députée et que je veux continuer à faire, le rôle d'un élu, c'est de diffuser les programmes fédéraux qui existent, aider les gens dans le besoin. Alors, pendant 4 ans, j'ai fait de multiples séances d'information sur le crédit d'impôt pour les personnes handicapées, donc qui a permis à des citoyens, des familles dans le besoin de recevoir plusieurs milliers de dollars parce qu'ils ne savaient pas que le programme existait. C'est des gens dans le besoin, beaucoup d'aînés. Alors, de donner ces moyens financiers-là supplémentaires à cette catégorie vulnérable-là de la population, pour moi, c'est une partie essentielle de mon travail. Et rapidement, pour aider nos organismes qui touchent les aînés, le programme Nouveaux Horizons, c'est un programme fédéral auquel j'ai référé plusieurs organismes. Et grâce au travail de mon équipe, on a réussi à amener des fonds ici, que ce soit à Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge, à Port-Neuf, Sainte-Christine-d'Auvergne, dans la Jacques-Cartier, à Saint-Augustin. Alors, ce rôle-là, d'orienter les gens, leur faire savoir quelles ressources sont disponibles, c'est un travail que j'ai accompli pendant 4 ans et que je veux continuer à faire pour le bénéfice de nos aînés. Merci, Mme Michaud. Monsieur Gauvin, 3 minutes. Merci. La question des aînés me préoccupe beaucoup parce que les aînés qui ont vécu, qui ont de l'expérience, sont en mesure souvent de nous apprendre beaucoup de choses. Je pense qu'en écoutant nos aînés, en général, on devient meilleur. Puis, présentement, les aînés, pour en avoir rencontré plusieurs, souffrent parfois d'isolement ou parfois ils sont un petit peu moins bien traités que ça devrait l'être. Et il y a de ça 2 semaines, j'ai fait une conférence de presse au Château Bellevue à Donnacona qui portait sur la dignité des aînés. Donc, je pense que la question qui portait sur comment les aînés peuvent vivre activement plus longtemps peut être résumé par ce mot-là. Il faut que les aînés retrouvent leur dignité. Et dans ce sens-là, le Parti libéral va mettre de l'avant plusieurs mesures pour justement redonner la dignité aux aînés. D'abord, nous allons également rétablir l'âge de la retraite à 65 ans. Nous allons également bonifier le supplément de revenu garanti pour les personnes à plus faible revenu de 10 %. Ça, ce que ça fait, ce 10 %-là, ça touche 1 300 000 aînés. Et ça touche 900 000 femmes seules. Donc, ce sont 900 000 femmes seules qui auront plus d'argent dans leur poche pour justement mener une vie plus active et, on l'espère, retrouver leur dignité. La raison pour laquelle on ramène l'âge de la retraite à 65 ans, c'est que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie jusqu'à 65 ans et qui doit, entre 65 et 67 ans, profiter de l'aide sociale pour pouvoir vivre convenablement, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens financier, puis ça n'a pas de bon sens non plus au niveau éthique, au niveau des valeurs. Quelqu'un qui a travaillé 25, 30, 35, 40 ans à sa retraite mérite que son gouvernement prenne soin d'elle. Ensuite, le résultat de ramener l'âge de la retraite à 65 ans, concrètement, par personne, c'est 13 000 $ par année. Donc, ça fait 2 ans. Souvent, ce sont des gens qui sont en couple. Donc, ça fait une différence de 50 000 $ dans leur poche pour la tranche entre 65 et 67 ans. C'est drôlement important.
Et j'en profite pour rappeler, parce qu'il y a beaucoup de désinformation à ce sujet-là, que si nous tenons à abolir le fractionnement du revenu pour la population en général, nous allons maintenir le fractionnement du revenu pour les aînés, pour les gens de 65 ans et plus. Ce qu'on veut, c'est sortir les aînés de la pauvreté et surtout pas mettre les aînés dans une condition de gêne. Tout ça, ça s'inscrit dans notre plan pour la classe moyenne, qui vise à ramener plus d'argent dans les poches des gens de la classe moyenne et donner également plus d'argent pour les allocations aux enfants. Puis ça aussi, ça donne de l'air à ceux et celles qui prennent soin de leurs aînés. Puis je pense que c'est important, c'est la bonne façon de procéder. Merci, M. Gauvin. Mme Michaud, vous voulez rajouter? Merci. Alors, je vais prendre quelques secondes pour préciser une petite chose. Le NPD a vécu la même désinformation que le Parti libéral semble avoir vécu. Nous nous sommes engagés à maintenir le fractionnement du revenu pour les pensions chez nos aînés. C'est une proposition écrite et c'est quelque chose qu'on s'engage à faire rapidement. Quelque chose pour garder nos aînés chez nous. Il faut s'assurer d'avoir des villes en santé qui s'épanouissent. Il faut aider les municipalités pour le développement et le maintien de leurs infrastructures aussi. C'est très important. Alors, le NPD, on s'est engagé à accroître le transfert de la taxe d'assise sur l'essence aux municipalités pour accroître les revenus disponibles pour les infrastructures de 1,5 milliard à la fin d'un premier mandat. Alors, on pourrait régler des problèmes, notamment des inondations dans la rivière Sainte-Anne qui ont touché beaucoup d'aînés ici à Saint-Raymond. M. Godin. M. Gauvin, j'aimerais vous informer que notre parti va donner un chèque de 2 000 $ à tous les aînés, veufs et ou seuls. Alors, et en plus, on va le faire avec un budget équilibré. C'est sûr que vous pouvez vous promener avec votre carnet de chèques parce que vous prévoyez 3 budgets déséquilibrés de 10 milliards pour les 3 prochaines années. Et également, je profite de l'occasion pour remercier M. Harvey pour apprécier le travail de la SADC dans Portneuf-Jacques-Cartier. Et Mme Michaud, j'aimerais vous dire merci de diffuser nos programmes lorsque vous avez fait vos séances d'information. Maintenant, en termes de diffusion d'information, comment, Mme Michaud, vous pouvez distribuer des dépliants qui mentionne, je profite de l'occasion parce que la diffusion d'informations, c'est important de donner les vraies informations, pas de véhiculer de fausseté. Vous dites, sous le gouvernement Harper, les revenus des familles ont diminué et leur endettement a explosé dans Portneuf-Jacques-Cartier. C'est totalement faux. Je ne sais pas dans quelle réalité vous vivez. Merci, M. Godin. Alors, M. Gauvin. Votre point sur l'équilibre budgétaire, M. Godin, j'aimerais y revenir. Vous savez, il y a le déficit comptable et également le déficit en infrastructure. Donc, nous, on choisit d'investir maintenant pour les générations futures, créer de l'emploi dans Portneuf-Jacques-Cartier, et on choisit de le faire quand les taux d'intérêt sont bas. Comme entrepreneur, vous devriez savoir ça. L'autre chose que j'aimerais vous dire en matière de budget équilibré, c'est que le gouvernement conservateur, depuis qu'il est au pouvoir, n'a fait que des déficits, sauf les années électorales. Hein, les mêmes années où vous envoyez des chèques imposables aux familles. Donc, je vous demanderais, s'il vous plaît, de vous garder une petite gêne. Merci. Monsieur rapidement, Gauvin, M. Gauvin, oui, après ça, M. Harvey. Monsieur Gauvin, je veux tout simplement vous dire qu'en tant qu'entrepreneur, un taux d'intérêt, ça monte et ça baisse. Alors, dépenser de l'argent à des bas taux, puis quand le taux va monter, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens qui sont à la maison, ils ont des budgets à gérer. Ils savent ce que c'est. M. Harvey, rapidement, et on termine avec vous. Le socio-communautaire, parce que c'est ça notre sujet, c'est surtout une affaire de bénévolat. S'il fallait qu'on paye au salaire minimum ces centaines de bénévoles dans chacune de nos municipalités, la masse salariale dépassera celle des employés municipaux, j'en suis certain. Donc, s'il faut faire du développement socio-communautaire, il faut aider nos bénévoles, les encourager, les multiplier. Et pour faire ça, il faut d'abord les rencontrer et les écouter. Merci. On termine, Mme Michaud, rapidement. Bien, pour des fins de diffusion d'informations et de transparence, j'espère que M. Godin a informé les électeurs, les familles, que les chèques de la PUJE, prestation universelle de garde d'enfants, qu'ils ont reçus cet été, devront être remboursés à 50 % dans leurs impôts. Alors, faites-vous un budget, les familles canadiennes, c'est un cadeau empoisonné. Est-ce qu'il y a de l'impôt? Merci. Que quelqu'un paye Merci, 100 % d'impôts, Mme Michaud? On passe maintenant à la quatrième question. Le thème, c'est le développement touristique dans Portneuf-Jacques-Cartier. Contexte. Portneuf-Jacques-Cartier est réputé comme étant un immense terrain de jeu dans la nature entre fleuves et montagnes. On retrouve dans Portneuf, en plus du majestueux fleuve Saint-Laurent et ses accès publics, plus de 1 000 lacs et cours d'eau, un parc naturel régional en pleine expansion, des lieux de chasse et de pêche exceptionnels, en plus de sentiers pédestres, de vélos, de motoneige et de quad à faire envier bien des régions. Question, comment le gouvernement fédéral
peut aider à soutenir les municipalités, les promoteurs et les intervenants du territoire à attirer et à accueillir les touristes en plus de prolonger leur séjour. L'ordre de réponse est le suivant. Hélène Michaud, David Gauvin, Joël Godin et Raymond Harvey. Madame Michaud, vous avez 3 minutes. Alors, une des façons d'encourager l'économie touristique, le développement de cette économie-là, il faut accroître l'offre touristique dans la région. Et le rôle d'un élu fédéral, ça va être de soutenir les projets locaux, d'accompagner les municipalités, les différents intervenants pour accéder aux fonds fédéraux auxquels ils ont droit. Il y a un beau projet en développement actuellement, le quai de Portneuf, où la municipalité travaille depuis déjà un bon moment à élaborer un projet récréotouristique qui pourrait rayonner dans l'ensemble de la région. Et moi, je m'engage à enfin régler le dossier. J'ai entendu M. Godin dire la même chose, mais malheureusement, il n'a pas avisé son gouvernement. Ils ont mis le quai en vente avant le début des élections. Alors, il ne semble pas y avoir de volonté politique de la part des conservateurs de régler le dossier. Et ça, on voit ça depuis au moins 2009, quand la municipalité a initialement entrepris les démarches pour acquérir le quai. Ça prendrait entre 9 et 14 millions pour décontaminer, assurer les réparations nécessaires pour en maintenir l'accès au public et vraiment développer ce projet-là qui est porté par la municipalité, qui est porté par la MRC aussi. Et moi, je veux vraiment collaborer avec la municipalité pour qu'en, premièrement, un gouvernement néo-démocrate élabore un programme de cession des quais qui a du sens et qui est financé à plus de seulement à peine 90 millions pour l'ensemble des quais et des ports fédéraux sur le territoire. Et je veux bien sûr collaborer pour l'épanouissement de ce projet-là, s'assurer que ça se concrétise et vraiment accompagner la municipalité, les entreprises aussi qui pourraient avoir besoin d'aide et qui se développeraient en périphérie du projet. Au-delà de ça, il faut vraiment pouvoir encourager des projets comme le marché public de Deschambault aussi, qui a fait connaître nos agriculteurs, nos producteurs, nos artisans dans l'ensemble du Québec. Moi, j'en entends parler de certains de mes collègues à la Chambre des communes. Alors moi, j'ai appuyé financièrement le marché public de Deschambault depuis mon élection. Il faut contribuer activement les élus au développement de ces projets-là, assurer leur pérennité, parce que c'est vraiment bénéfique pour l'ensemble de la région. Et au-delà de ça, quelque chose qui va vraiment nous aider dans l'industrie touristique, le NPD, on s'est engagé à revenir sur la réforme de l'assurance-emploi qui a été imposée par les conservateurs, parce que beaucoup d'employés qui œuvrent dans l'industrie touristique, c'est des employés saisonniers, et les fonctionnaires, on les pousse à prendre des emplois à temps plein, à 100 km de chez eux, des fois devoir subir des pertes de salaire de 30 %. Et moi, j'ai des entrepreneurs qui sont venus me voir à mon bureau à plus d'une reprise dire « on ne peut pas garder notre personnel, nous, on perd de l'expertise, je dois engager 2-3 personnes pour remplacer un employé qui avait une expérience de 30 ans dans mon entreprise. » C'est des coûts faramineux et ça met en péril notre économie locale. Alors, il faut revenir là-dessus, ça a été franchement désastreux pour la région. Merci, Mme Michaud. Monsieur Gauvin, 3 minutes. Il n'y a aucun doute que dans Portneuf-Jacques-Cartier, l'industrie récréotouristique est très importante. Nous sommes choyés de vivre ici, je l'ai dit d'entrée de jeu. Je le reconnais, puis même mon chef, Justin Trudeau, le reconnaît. Maintenant, ce qu'il faut faire pour dynamiser ce domaine-là, c'est d'abord de redonner de l'argent aux gens. Souvent, lorsque les gens ont des revenus un petit peu moindres, on va se concentrer sur les besoins vitaux avant de se concentrer sur les loisirs. Donc, notre plan pour la classe moyenne va adresser cette question-là. Concrètement, ce que ça fait, c'est qu'on redonne de l'air à la classe moyenne en réduisant l'impôt de 7 %. Pour financer cette promesse-là, on élimine le fractionnement du revenu, sauf pour les aînés, tel que mentionné précédemment, parce que c'est une mesure qui favorise les mieux nantis. Puis, on ramène également le plafond du CELI de 10 000 $ à 5 500 $. Puis, comme je l'ai déjà mentionné, les gens sur le terrain me demandent c'est quoi un CELI. Si les gens me demandent c'est quoi un CELI, c'est qu'ils n'ont pas d'argent dans le CELI. Donc, ça, c'est important. L'autre chose, c'est que les gens qui profitent souvent des offres récréotouristiques, ce sont des familles. Donc, dans notre plan pour la classe moyenne, bien sûr, on s'occupe des personnes seules, mais on s'occupe également des familles. Plus concrètement, avec une allocation canadienne aux enfants, une allocation qui est non imposable et qui est plus généreuse pour 9 familles sur 10, évidemment pour les familles qui en ont le plus besoin. Ça, concrètement, on s'éloigne un petit peu du récréotouristique, mais je tiens à le mentionner, ça va sortir à l'échelle du pays 315 000 enfants de la pauvreté. Au Québec, 60 000 enfants de la pauvreté. Puis ici, dans Portneuf, on sort 1 000 enfants de la pauvreté. Ça, c'est la promesse dont je suis le plus fier.
Puis aujourd'hui même, Justin Trudeau était au stade olympique pour démontrer aux gens qu'est-ce que c'était notre plan pour les enfants. Cela dit, si on revient au récréo touristique, merci Mme Michaud d'avoir parlé du marché public de Chambault, où je suis à tous les samedis matins. Il faut effectivement développer le récréo touristique. Puis souvent, les gens qui travaillent dans le domaine récréo touristique, ce sont les jeunes. Les jeunes, souvent, sont attirés par ça. Ça fait des bons emplois, parfois des emplois d'été. Donc, nous, notre plan pour les jeunes est d'investir 1,3 milliard de dollars. 1,3 milliard de dollars. Ça, c'est 13 fois plus que n'importe quel autre parti sur les jeunes de moins de 25 ans. Pourquoi? Parce que les jeunes de moins de 25 ans ont un taux de chômage de 3 fois plus élevé que le reste de la population. C'est un énorme problème. Les jeunes commencent dans la vie, ils ne sont pas en mesure de se trouver des études pertinentes, ils ne sont pas en mesure de se trouver des emplois intéressants. Ben moi, je pense que dans Portneuf-Jacques-Cartier, étant donné qu'on a la chance d'avoir une industrie récréotouristique qui est forte, ben ça, c'est le genre de programme qui va permettre à tout le monde d'en profiter, parce que ça va créer 40 000 emplois à l'échelle du pays. Et dans ces 40 000 emplois-là, il y en a 35 000 qui sont des emplois d'été. Puis on le sait que le récréotouristique, c'est beaucoup l'été, même si ici, dans Portneuf-Jacques-Cartier, on a la chance d'avoir une offre récréotouristique sur 4 saisons. Merci, M. Gauvin. M. Godin. Merci, M. Beausoleil. Je vais tenter de répondre à votre question. Le développement touristique dans Portneuf-Jacques-Cartier. Nous pouvons être fiers de notre beau territoire. Nous avons dans Portneuf-Jacques-Cartier de précieux espaces verts, des lacs et des rivières, des forêts aménagées, des pistes cyclables qui font l'envie de bien des gens. Le Bras du Nord, qui est un site qui nous permet d'offrir un produit unique, distinctif, c'est une destination plein air par excellence au Québec. Nos golfs, la station touristique du Chêne et les centres de ski, pour ne nommer que ceux-là. Nos forces dans Portneuf-Jacques-Cartier au niveau récréo-touristique. La proximité des grands centres, Trois-Rivières, Québec. Bordé au sud par le majestueux fleuve Saint-Laurent et au nord par nos riches forêts. Nous avons une notoriété grandissante. Fort potentiel de développement touristique. Et nos produits du terroir qui sont de plus en plus en demande. Ce joyau, il faut le protéger, le développer et l'exploiter intelligemment. Une porte d'entrée pour développer tout ça, c'est évidemment le quai de Portneuf. Ce dossier a assez traîné. Madame Michaud n'a rien fait dans les 4 dernières années. Je prends l'engagement ce soir de mettre tout en œuvre pour que cela devienne la plaque tournante d'un plan d'action qui se déclinera dans l'ensemble du territoire. J'ai vu le projet de développement de la MRC et tout l'ouest du comté va en profiter. Je ne sais pas si Madame Michaud le sait, mais notre premier ministre est venu à Québec, a annoncé un programme destiné uniquement au Québec qui s'appelle Prospérité maritime Québec. Et ce programme va nous faire avancer dans le dossier de Portneuf-Jacques-Cartier. Plaisanciers, croisiéristes débarqueront et des navettes seront offertes pour les amener soit à Cap-Santé, voir les galeries d'art, soit goûter aux produits du terroir, les amener aux grottes de Saint-Casimir, vivre une expérience d'hébergement dans les Utopias de la CEPAC, voir un spectacle au Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Ce n'est que des exemples de forfaits touristiques qui pourront être composés. Et il y a plusieurs autres attractions touristiques ici dans Portneuf-Jacques-Cartier. Plusieurs entreprises viendront se joindre à nous pour développer ensemble notre offre touristique. Il faut travailler avec le milieu pour construire une offre touristique distinctive et attractive, ce qui va nous permettre de maintenir et de bonifier les stratégies existantes et mettre en place les nouvelles stratégies innovantes. On va travailler avec les différents acteurs du milieu et on va construire un catalogue touristique pour attirer les gens de la région, de la province, de notre pays et de l'international. Offrons-nous des moyens pour y arriver. Travaillons ensemble. Monsieur Harvey. Portneuf-Jacques-Cartier est une région formidable, avec montagnes, forêts, lacs, terres agricoles et le majestueux fleuve Saint-Laurent, tout en étant à quelques kilomètres de la capitale nationale. Notre région possède des attraits de belle qualité, des magnifiques lacs et rivières, la route verte et les pistes cyclables, la route bleue avec le fleuve, le chemin du roi, les églises de Portneuf, la station du Chêne, les spas, le rafting sur la rivière Jacques-Cartier, le village de vacances Val-Cartier. Ajoutons la réserve faunique de Portneuf, la vallée Bras du Nord, le magnifique parc régional de Portneuf, le quai de Portneuf, des aires accueillantes, le centre de ski de Stoneham, Saint-Raymond, de Beauport, de Lac-Beauport, excusez,
Les événements tels que la course de la banquise, les raids, les divers festivals, et j'en passe. En somme, notre région regorge d'attraits touristiques, mais il y a une ressource qui manque cruellement dans la MRC de Portneuf, un hôtel capable d'accueillir de petits congrès à un prix avantageux. Compte tenu de la proximité avec la ville de Québec, voilà, me semble-t-il, un projet qui mériterait d'être étudié. Et puis, il y a le projet de la ville de Portneuf pour mettre en valeur le potentiel récréonautique et récréotouristique de son quai en eau profonde. Si je suis élu, je m'engage à aider la ville de Portneuf à récupérer son quai avec l'argent nécessaire du fédéral pour en faire la réfection telle que souhaitée par la population de la ville de Portneuf. Imaginons de petits bateaux de croisière qui accostent à Portneuf, des navettes qui accueillent les croisiéristes pour les amener visiter nos églises et leurs trésors artistiques, ou encore qui vont chez nos entreprises fromagères, ou qui offrent une balade dans nos sentiers en forêt, ou simplement pour jouer au golf dans notre belle nature, sans parler d'une visite à la cabane à sucre, et que sais-je encore, tout un incroyable potentiel à développer. Vous le savez, le tourisme est un moteur puissant pour le développement économique. Or, le tourisme est en plein essor partout dans le monde, et pour Portneuf-Jacques-Cartier, a un potentiel énorme à mettre pleinement en valeur. Alors, à nous d'investir pour en tirer plein profit. En passant, savez-vous que le Canada a 46 parcs nationaux, dont seulement 3 sont au Québec? Compte tenu de l'apport des impôts que l'on paye, c'est 11 parcs qu'on devrait avoir ici. Avec le Bloc québécois et la balance du pouvoir dans un gouvernement minoritaire, comme on le voit présentement se dessiner, c'est exactement le genre de choses où le Bloc peut faire toute la différence, en attendant d'être un pays. Merci. Merci. Monsieur Gauvin, vous voulez ajouter? Toujours en ce qui concerne l'offre récréotouristique, M. Harvey a fait référence aux parcs du Canada. Effectivement, on a des parcs qui sont extraordinaires. Puis, je veux juste informer la population qu'en 2017, pour le 150e anniversaire de la Confédération, l'accès aux parcs sous un gouvernement libéral serait gratuit pour permettre à tout le monde de les découvrir puis d'en profiter. C'est un petit détail, mais je pensais que ça pouvait intéresser les gens de savoir ça. Plus concrètement, moi, j'aime pas les promesses qui impliquent d'autres personnes. Puis, le dossier du quai de Portneuf, ça implique les gens du provincial, ça implique les gens du municipal. Donc, moi, je ferai pas de promesses ici ce soir. Ce que je veux dire, par contre, c'est que nous sommes le Parti libéral est le seul parti qui a fait le choix de refuser l'austérité et qui va investir dans les 10 prochaines années 125 milliards de dollars dans les infrastructures telles que le quai de Portneuf. Merci. Madame Michaud. Merci beaucoup. Tantôt, j'ai parlé d'accroître l'offre touristique dans la région pour soutenir le développement de notre industrie touristique. Mais au-delà de ça, si on veut garder les gens chez nous, oui, ça prend le projet d'hôtel. Je pense que le gouvernement fédéral a la responsabilité au moins de mettre des conditions économiques gagnantes en place pour pouvoir favoriser le développement de ces projets-là et être un accompagnateur. Mais au-delà de ça, il faut s'assurer qu'on a des services de proximité aussi disponibles dans les communautés, que ce soit dépanneurs, restaurants, des endroits pour aller prendre une bière et autres. Alors, de ce côté-là, le NPD, on a mis de l'avant des mesures pour aider les PME. Donc, on s'engage notamment à diminuer le taux d'imposition des PME de 2 %. Puis, on a aussi proposé un crédit d'impôt pour les microbrasseries. Donc, ça serait un crédit d'impôt d'en moyenne 5 000 $ pour aider les microbrasseries. On en a beaucoup dans le coin. Alors, je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde. Merci. Monsieur Godin. Excusez-moi. Monsieur Gauvin, je suis d'accord avec vous que lorsqu'on fait des promesses et qu'on n'est pas le seul joueur, il faut consulter les autres. Moi, ce que je peux vous dire, Monsieur Gauvin, c'est que depuis le 8 mai, j'ai parcouru les 28 municipalités et j'ai rencontré les élus de Portneuf. Et déjà, j'ai travaillé sur le dossier. J'ai probablement fait beaucoup plus que ce que Mme Michaud a fait dans les 4 dernières années. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai rencontré le maire et les élus. Et je les ai accompagnés et je leur ai suggéré de consulter les gens du cabinet du ministre responsable de la stratégie maritime du Québec. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le quai est toujours en vente pourtant. Monsieur Harvey. Moi, j'ai un problème avec les investissements en sentiers et parcs. C'est bien de le faire, mais trop souvent, on oublie les frais d'entretien. Et le beau sentier ou le beau parc se détériore au fil des ans.
si on ne l'entretient pas. Pensons à la route verte, à la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf. Il faut des subventions pour assurer l'entretien continuel de ce type de ressources qui constituent des attraits touristiques rentables. Et des subventions, c'est l'affaire des gouvernements. Rapidement, M. Gauvin. Très rapidement, M. Godin, je vous félicite pour votre travail depuis le 8 mai. Mais ici, dans Portneuf-Jacques-Cartier, les gens cherchent le conservateur depuis 10 ans. Donc, c'est peut-être trop peu, trop tard. M. Gauvin, permettez-moi de répondre, j'ai une attaque personnelle. Je veux tout simplement vous dire, enfin, il y a un conservateur dans Portneuf-Jacques-Cartier. Et je suis d'accord avec vous. OK. Alors, nous sommes rendus à la dernière et cinquième question. Alors, le thème, c'est la diffusion des arts et de la culture dans Portneuf-Jacques-Cartier. Dans le contexte où les arts et la culture de Portneuf-Jacques-Cartier s'expriment à travers ses médias, ses livres, ses festivals, ses concours et compétitions de toutes sortes, ses symposiums, sa musique, son théâtre, son cinéma et autres, question. Si vous êtes élu, comment le gouvernement fédéral pourrait soutenir les artistes et artisans, les organisations, pour la plupart à but non lucratif, et les nombreux bénévoles qui s'y rattachent? L'ordre de réponse est le suivant. Hélène Michaud, Joël Godin, Raymond Harvey et David Gauvin. Madame Michaud, vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Alors, depuis les 4 ans que je suis en poste en tant que députée fédérale de Portneuf-Jacques-Cartier, je ne compte plus les rencontres avec nos artistes à travers autant Portneuf que la Jacques-Cartier, que Saint-Augustin. Puis, il faut prendre des mesures pour les aider. C'est une partie importante de notre vie culturelle. Il y a des beaux projets qui se développent, mais il faut soutenir nos artistes. Ils ne sont pas capables de vivre de leur art, de pouvoir continuer à s'investir dans le domaine de la culture et des arts. On n'en aura plus de cette belle diversité culturelle ici, dans la circonscription. Alors, une des choses que le NPD s'engage à faire, c'est de permettre aux artistes d'étaler leurs revenus dans leur déclaration d'impôt sur une période de 2 à 5 ans. Donc, c'est une mesure qui leur permettrait d'équilibrer leur fardeau fiscal entre les bonnes et les moins bonnes années. On le sait que le domaine de la culture, des arts, c'est quelque chose qui fluctue, c'est difficilement prévisible. Alors, de proposer des mesures comme ça d'allègement fiscal pour nos artistes, pour nous, c'est la bonne chose à faire. Ils vont pouvoir continuer à contribuer à l'épanouissement de nos communautés et c'est très bien ainsi. Une chose qui est importante aussi, la diffusion de nos artistes, de la culture dans les régions, ça ne passe souvent pas par les grands médias, ça va passer par nos médias communautaires, nos médias locaux. Et ici, le gouvernement fédéral a un rôle à jouer. Les députés, on a des budgets d'achat de publicité. Alors, c'est important de contribuer par l'achat de publicité dans nos différents médias locaux, la télévision, la radio aussi. On a cette possibilité de contribuer là à la santé financière de nos médias locaux. Et le gouvernement fédéral aussi peut acheter des publicités, peut contribuer à la santé financière de nos médias locaux. Malheureusement, ça ne se fait que très peu maintenant sous le gouvernement conservateur, mais ça s'est déjà fait beaucoup plus par le passé et ça assurait une bien meilleure santé financière à nos médias locaux. Alors, pour moi, ça, c'est une priorité. Et bien entendu, on ne peut pas passer sous silence le sous-financement chronique de Radio-Canada qui perdure autant depuis le règne des libéraux et qui s'est perduré sous les conservateurs. Le NPD, on s'est engagé à rétablir le financement de Radio-Canada, donc annuler les compressions de 115 millions qui ont été faites par Stephen Harper et assurer un financement pluriannuel, stable et prévisible pour protéger Radio-Canada, notre diffuseur public dont on a grandement besoin. Merci. Monsieur Godin. Alors, M. Beausoleil, pour ce qui est des gens de Portneuf-Jacques-Cartier, je pense que le soutien financier à Radio-Canada, on est loin de la réalité. Nous avons une panoplie de produits culturels et artistiques, des peintres, des fabricants de verre, des artistes chanteurs, des écrivains et bien d'autres artisans et artistes. Nous, au Parti conservateur, nous sommes très attentifs à la diffusion des arts et de la culture, à notre histoire et à notre patrimoine. Nous avons pris l'engagement de soutenir financièrement les musées locaux, une belle opportunité pour développer des musées locaux ici, dans Portneuf-Jacques-Cartier. Un montant de 15 millions de dollars sera disponible. Nous avons plusieurs diffuseurs, tels des galeries d'art, des salles de spectacle, entre autres la salle multifonctionnelle de Roland Dion ici à Saint-Raymond, le Moulin Marcoux de Pont-Rouge, la salle Luc Plamondon de Donnacona. On a des festivals, festival du film sur l'environnement de Saint-Casimir, le festival Rythme du blues. Et je profite de l'occasion, en termes de diffuseur, j'utilise la télévision communautaire pour vous inviter ce week-end à participer à la route des arts et saveurs dans Portneuf.
faut être conséquent de notre volonté de faire de la diffusion. Je profite de cette tribune pour vous inviter à participer à cette activité qui se déroule tout au long du week-end de l'Action de grâce. Des projets sont dans l'air, tels le développement du manoir Alsop de Cap-Santé. J'ai déjà eu des échanges avec le maire, M. Jobin, de Cap-Santé, pour l'accompagner. Et également, j'ai eu le privilège de visiter le manoir Saint-Denis-Garneau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Il y a des projets dans l'air pour faire du développement, pour exploiter ce territoire qui peut être mis à la disposition en termes d'accessibilité pour la population de Portneuf-Jacques-Cartier. C'est des beaux projets. Et je vais travailler avec les organismes qui ont cette mission-là. Également, il faut que les bottines suivent les babines. Moi, dans ma campagne électorale, j'ai fait produire un guide qui s'appelle « J'ai le goût de Portneuf-Jacques-Cartier » et j'incite les gens à le consulter. Si vous ne l'avez pas reçu dans mon porte-à-porte, vous pouvez le consulter sur ma page Facebook. Je suggère des producteurs de produits du terroir de Portneuf-Jacques-Cartier. Il faut commencer par s'encourager, nous, avant d'inviter les gens des autres régions. Également, ce n'est pas des promesses, c'est une réalisation, ça. C'est un avant-goût de ce que vous allez avoir à partir du 20 octobre. Nous devons travailler avec les gens du milieu afin de soutenir ces plateformes qui méritent de diffuser les arts et la culture. Il faut construire ensemble d'autres moyens de diffusion qui seront encore plus accrocheurs. Il faut que nos citoyens de la circonscription nous soyons encore plus informés pour participer à ces activités et encourager nos artistes et artisans. Il faut travailler sur notre offre et bien la commercialiser. Merci. Monsieur Harvey. La culture dans Portneuf-Jacques-Cartier est bien vivante. On n'a qu'à penser à nos salles de spectacle, Luc Plamondon, le Moulin Marcoux, le Théâtre Alouette, aux salles communautaires, où l'on présente des artistes connus et nouveaux. C'est d'ici que sont issus plusieurs artistes qui se sont démarqués sur la scène internationale, les Luc Plamondon, Linda Lemay et plus récemment David Thibault. Je salue les expositions de peinture et artisans, Cap-Santé, Rivière-à-Pierre, Lac-Beauport, et tout récemment ici à Saint-Raymond, l'exposition des œuvres de M. Stanislas Tronikoski. Et que dire de cette troupe de théâtre et chorale que l'on retrouve à Pont-Rouge, Deschambault, Saint-Raymond, Stoneham, Saint-Augustin-de-Desmaures, des écoles de musique, des ateliers de peinture, de la gastronomie du terroir, de l'histoire de nos villages, de nos églises, de leur contenu artistique de grande valeur, du Festival du film sur l'environnement de Portneuf et tant d'autres. Je m'engage à être à l'écoute de tous ces organismes. Il n'existe pas un programme fédéral précis pour appuyer des initiatives en culture, mais le ministère du Patrimoine canadien dispose de plusieurs programmes de soutien aux arts et à la culture. Appuyer nos artistes et nos diffuseurs de culture et d'art sera pour moi une obligation, mais surtout un plaisir. Pour le Bloc québécois, il est essentiel de soutenir et promouvoir la culture québécoise, constituée de valeurs partagées, de l'art sous toutes ses formes, de notre histoire et de notre langue commune. Ce sont ces valeurs, cette culture, cette histoire et cette langue de chez nous qui ont sculpté l'identité québécoise, qui sont les assises du développement social et économique de notre société et qui font qu'au quotidien, nous nous sentons québécoises et québécois et qu'à l'étranger, nous nous reconnaissons à l'accent de notre voix. La culture est portée par une myriade d'œuvres et de talents culturels et artistiques. Elle est reconnue au Québec et à l'étranger par son dynamisme et son originalité. Elle participe à la fois à la connaissance de nous-mêmes et à l'explication de qui nous sommes aux autres. Parce que nous ne sommes que 8 millions à consommer des œuvres à la radio, à la télévision, au cinéma, au théâtre, au musée, dans les festivals et autres, la culture québécoise nécessite le soutien de l'État, dont celui du fédéral. En matière de culture, vous le savez, le Bloc québécois a toujours veillé et avec succès à ce que le gouvernement canadien respecte et appuie l'épanouissement de notre culture québécoise. Merci. Monsieur Gauvin. Merci, Monsieur Beausoleil. Très content de parler d'art et de culture dans Portneuf-Jacques-Cartier. Je crois que les trois autres candidats ont énuméré tout ce qu'on a, hein, tout ce qu'on a la chance d'avoir dans la circonscription. Je vais passer l'énumération.
Mais c'est important de mentionner l'apport que tous ces gens-là et que tous ces organismes-là amènent ici dans la circonscription. Puis je m'en voudrais de ne pas nommer CJSR. CJSR qui vous donne ce programme-ci mérite d'être appuyé, mérite d'être financé. Puis effectivement, les députés fédéraux ont un rôle à jouer là-dedans. Cela dit, ce qui fait peut-être un petit peu la différence entre les candidats, c'est que moi, je participe à ces activités-là, mais j'en suis également. Peu de gens le savent, mais j'ai écrit quelques critiques de spectacle dans la vie de chez nous, l'organe de l'Ouest de Portneuf. Puis ma conjointe prend des cours de piano à l'école de musique de Niarquin à Deschambault. Donc, nous sommes à quelque part des artistes. C'est pour ça qu'on aime ça être ici, c'est pour ça qu'on aime ça participer à ces activités-là également. L'art et la culture, c'est pas quelque chose qui est volatile, c'est du concret. Okay, d'abord, les gens qui travaillent dans l'art et la culture, ce sont des entrepreneurs. Tout à l'heure, je mentionnais que les agriculteurs, c'est des entrepreneurs. C'est vrai aussi pour les artisans de la culture, ce sont aussi des entrepreneurs. Puis il faut le mentionner, ils amènent beaucoup d'emplois ici dans Portneuf-Jacques-Cartier, puis ils font rouler l'économie, je tiens à le souligner et à le saluer. Tout à l'heure, on a mentionné la maison Luc Plamondon. Préserver la maison Luc Plamondon, ça a pris des sous. Ça a été un long processus pour que ça se réalise. Je pense que ce soit pour la maison Luc Plamondon, que ce soit pour la climatisation d'une salle de spectacle, ou que ce soit pour la construction de nouvelles salles de spectacle, ce que ça prend un plan d'infrastructure, ça prend de l'argent pour investir. Puis nous, comme je l'ai dit précédemment, on a prévu 125 milliards sur 3 ans pour combler notre déficit en infrastructure, c'est-à-dire rénover les bâtiments qui ont besoin d'être rénovés, puis construire les nouveaux bâtiments qu'on a besoin de construire. Finalement, un petit peu comme pour l'offre récréo-touristique, je pense que l'art et la culture, c'est quelque chose qui nous permet de nous accomplir et aussi de nous reconnaître comme culture. Mais pour arriver là, pour profiter de ça, ben, il faut avoir du pain sur la table, il faut avoir de l'argent pour payer les factures. Puis c'est pour ça que je suis fier de notre plan pour la classe moyenne, qui va donner plus d'argent à ceux qui en ont réellement besoin, puis un petit peu moins à ceux qui en ont déjà beaucoup. Et ça va également donner plus d'argent aux parents qui ont des enfants, parce que c'est en sensibilisant les enfants aux arts et à la culture dans un très jeune âge qu'après ça, ces jeunes-là peuvent se développer par la pratique, par exemple, d'un instrument de musique ou d'un autre art en particulier. Merci. Monsieur Godin. En fait, Monsieur Beausoleil, moi j'ai une question à Madame Michaud. Madame Michaud, vous avez été députée pendant 4 ans. Ici, dans Portneuf-Jacques-Cartier. Vous avez mentionné dans votre présentation que vous étiez très présente. Mais au-delà d'être présent, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Quelle est la liste de vos réalisations comme députée de Portneuf-Jacques-Cartier? Alors, la première, j'ai obtenu, après 40 ans d'attente, une enquête pour les familles, les survivants des cadets qui sont décédés à Val-Cartier. On parle au niveau des arts de la culture, là. Vous m'avez demandé la liste de mon bilan, alors moi, je prends ça large. Alors, comme je disais, j'ai obtenu cette enquête-là de l'Ombudsman. Ça a pris 40 ans. Il n'y a pas eu d'écoute de la part des conservateurs. Ça, c'est une réalisation concrète. J'entends M. Deltel qui était fier d'avoir nommé un boulevard. Moi, j'ai obtenu une enquête de l'Ombudsman qui a fait des recommandations pour qu'on assure des soins à des survivants. Ils attendaient pendant 40 ans, ils n'ont jamais eu d'écoute d'aucun gouvernement. Ça, c'est une réalisation concrète. J'ai écouté des gens qui n'avaient pas d'aide de la part des élus de tous les gouvernements précédents. Alors, pour moi, c'est important. J'ai réussi à amener plusieurs sommes dans les organismes à travers Nouveaux Horizons, d'autres programmes. Je pourrais continuer, j'avais juste 45 secondes. Merci. Monsieur Hervé. Excusez. Vous rendez-vous compte que présentement, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, majoritairement composé de Canadiens anglais, va bientôt décider du pourcentage de musique francophone sur nos ondes québécoises. Bravo à la démocratie canadienne. Et ces coupures dans les subventions aux divers festivals, des coupures dans l'expression de notre culture, ces festivals sont rentables pour les commerçants. Ces festivals, dans leur ensemble, rapportent plus au gouvernement en taxes et en impôts qu'il ne lui en coûte. Alors, pourquoi couper dans l'expression de notre culture? Au minimum, c'est mesquin. Merci. Quelques secondes, M. Godin, puis on finit avec M. Gouvin. En fait, Mme Michaud, je vais vous poser la question. Quelles sont vos réalisations à titre art et culture dans Portneuf-Jacques-Cartier dans les 4 dernières années? Voici, moi, ce que j'ai fait dans les 2 derniers mois. Écoutez, on ne répondra pas à la question, on va finir avec M. Gouvin.
Monsieur Godin, votre initiative, j'ai pris connaissance de votre initiative. Par contre, je vois une contradiction. À votre lancement de campagne, vous avez mentionné que vous avez croisé M. Deltel dans les couloirs de l'Assemblée nationale et c'est là que vous avez dit « Gérard, si tu y vas, j'y vais ». Donc, moi, je vous pose la question, avez-vous le goût de Portneuf ou vous avez le goût d'aller à Ottawa avec Gérard? OK. Écoutez, j'ai le goût de Portneuf et j'ai le goût d'aller à Ottawa pour représenter la population de Portneuf, Jean-Cartier. Merci de m'offrir l'occasion. On est rendu à 1 minute 30, alors on a déjà 90 minutes, alors on va faire ça rapidement, la conclusion. Donc, vous avez maintenant un maximum de 1 minute pour conclure. L'ordre d'intervention est le suivant. Joël Godin, Hélène Michaud, Raymond Harvey et David Gauvin. Alors, M. Godin, vous avez 1 minute. Le 19 octobre, vous aurez un choix important à faire. Entre l'improvisation des promesses irréalistes, une instabilité économique et des déficits. Ou un gouvernement responsable qui a fait ses preuves. Je fais partie de cette équipe. Je vais travailler pour vous pour faire avancer les dossiers et réaliser des projets concrètement dans Portneuf, Jacques-Cartier. Je mets mes compétences, mon expérience à votre service. Avez-vous le goût d'avoir plus d'argent dans vos poches et décider quoi en faire? Voulez-vous avoir un gouvernement qui travaille pour vous et avec vous pour améliorer votre quotidien? Voulez-vous être en sécurité? Voulez-vous que nos valeurs soient protégées et qu'on respecte nos us et coutumes? Si vos réponses sont oui, offrez-vous un gouvernement qui respecte ses promesses, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Le 19 octobre, votez pour moi. Joël Godin dans Portneuf, Jacques-Cartier. Vous ne serez pas déçus. Merci et sachez que j'ai hâte de vous servir. Madame Michaud. Alors, pendant le débat, vous avez entendu ce que j'ai à vous offrir, ce que le NPD a à vous offrir et c'est quoi ma vision pour le développement de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier. Si vous m'accordez de nouveau votre confiance, mon équipe sera prête à reprendre le travail dès le 20 octobre. Je continuerai d'être présente dans la communauté et à l'écoute de vos préoccupations. Je me battrai pour la protection de l'intégralité de la gestion de l'offre, pour un meilleur accès à l'assurance-emploi et aux soins de santé, et pour venir en aide aux jeunes, aux familles de la région, ainsi qu'aux aînés les plus vulnérables. Je veux contribuer au développement économique de ma région, tout en m'assurant que ça se fasse dans le respect de l'environnement et des principes du développement durable. Le 19 octobre prochain, vous avez le choix de voter pour du changement, du vrai changement, avec le NPD et Hélène Michaud dans Portneuf, Jacques-Cartier. Monsieur Harvey. Mesdames et messieurs, vous le savez, une fois élu au gouvernement, le parti au pouvoir non seulement semble oublier ses engagements et ses promesses, mais trop souvent, il fait le contraire. Depuis 4 ans, le NPD a régulièrement oublié les intérêts du Québec. 33 milliards de dollars de navires à Halifax et à Vancouver, zéro pour le chantier maritime de Lévis. Pourtant, un des plus grands d'Amérique. Et ça nous a coûté, à nous, au Québec, 8 milliards en taxes et en impôts. Le NPD a félicité Halifax et Vancouver, pas une lame pour Lévis. Merci au NPD. Les libéraux n'ont pas fait mieux. 17 000 tonnes de fromage européen viendront à chaque année priver nos producteurs de 300 millions de ventes. Pas un mot de protestation par les libéraux. Bravo les libéraux. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est normal. Le Québec est minoritaire dans le Canada et en démocratie, c'est la majorité qui décide et qui l'emporte. Seul le Bloc québécois a toujours été gardien des droits des Québécoises et des Québécois. Seul le Bloc québécois a toujours défendu et fait valoir les intérêts du Québec. Avec ou sans la balance du pouvoir, seul le Bloc québécois a régulièrement réussi à faire respecter les besoins du Québec. Merci. Au moment de voter, rappelez-vous qu'avec le Bloc québécois, plus que jamais, on a tout à gagner. Merci, M. Harvey. On termine donc. M. Gauvin, vous avez 1 minute. Merci, M. Beausoleil. Le 19 octobre prochain, vous aurez un choix à faire. Après 10 ans de gouvernement conservateur et après 10 ans d'absence des conservateurs dans Portneuf-Jacques-Cartier, ce que les gens me disent sur le terrain, c'est qu'ils veulent du changement. Je vais m'adresser ici à la classe moyenne, et non pas aux 1% les plus riches. Notre plateforme pour la classe moyenne est la suivante. À partir du 20 octobre, par année, vous allez obtenir 700 $ de plus dans vos poches pour les individus et pour les couples, 1500 $ de plus par année. C'est la première chose. Ensuite, pour ceux qui ont des enfants, pour les familles, notre allocation familiale non imposable sera plus généreuse pour 9 familles sur 10, et ça représente un montant qui peut aller jusqu'à 6 400 $ par année. Vous aurez un choix à faire le 19 octobre.
Vous connaissez notre plan, vous me connaissez moi. Mon nom est David Gauvin et avec mon chef Justin Trudeau, je vais faire les choses autrement. Alors, c'est ce qui met fin donc à cette soirée politique dans Portneuf, Jacques Cartier. Merci à vous, candidats, de vous être prêtés à cet exercice et on vous souhaite une belle fin de campagne. Merci de votre présence à la maison. Merci à toute l'équipe également de CJSR, Karine, Stéphane, Patrick et Charles. Ici Michel Beausoleil. Bonne fin de soirée.